On y va. Regarde, quelqu'un qui va aller se filmer. Ah, j'ai pris mon chargeur. On y va, Bradley. Chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi, les gars. Hello, mes anges, j'espère que vous allez bien. Il était temps pour moi de poster cette vidéo. Le 9 mars, c'était l'anniversaire de mon fils et j'étais en vacances au Cameroun. Je suis rentrée le 5 mars. Donc, pour vous dire, j'ai eu quelques jours pour préparer l'anniversaire de mon enfant parce que pour moi, c'était important. 2 ans, c'est pas tous les jours. Donc, j'ai commencé déjà par lui trouver une tenue. Dieu merci, j'ai trouvé une belle petite pépite chez H&M. Donc, j'avais pris en ensemble veste en bleu avec une chemise. Pour les personnes qui ont pu voir sur mes différentes photos, j'avais posté. Mais du moins, vous avez aussi la photo en image. Bon, c'est parti. On y va, on va faire les photos. Voilà ce qu'on a payé à Bradley. Mais le modèle, il nous sort déjà des phases qui sont très compliquées. Bradley, on y va, non? Bon, par la même occasion, je vous présente celle qui va jouer le photographe de... Il me connaît déjà, non? Le photographe de Bradley. Comment allez-vous? Tu es sûr que tu vas vraiment gérer? Je vais gérer, non? Voilà, tu as vu ton modèle là où il est placé? Ça va aller. Regardez le comportement du mannequin. Bradley, c'est quel comportement ça? Bradley, on va te faire les photos, pardon. Le boss, pardon, on va faire les photos. Décale-toi un peu, s'il te plaît. Bradley. Regardez le comportement du mannequin. Regardez. On peut refaire encore les escalators. On refait encore les escalators. Vous voulez passer? Allez-y. Attends. Oui, attends, je vais le prendre. Le comportement du mannequin. Le mannequin. Bradley, s'il te plaît. J'ai dit qu'on souffre depuis tout à l'heure avec le mannequin. C'est incroyable. Il n'obéit pas. Bradley, remets bien ton pantalon. Ouh, il est par terre, le mannequin. Parti pour acheter des trucs pour l'anniversaire de Bradley. Honnêtement, je vous cache pas, j'ai rien prévu. Donc tout là se fait à l'improvisation. Ivan m'a dit qu'elle s'occupait de la déco avec sa copine. Tata Néné a fait du poulet. J'ai déjà commandé. J'ai commandé quoi même? J'ai commandé. Le gâteau, voilà, j'ai pris quand même ça. Et voilà. En fait, je suis à la ramasse comme ça parce que j'ai pas assez de sous en fait. J'ai pas assez de sous pour lui faire un truc de malade. Donc, je fais vraiment avec les moyens de bord. Mais le premier anniversaire, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, celui-là, avec peu de moyens, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc, je suis venue acheter les choses. Cette année, on serre les ceintures. C'est un peu plus chaud cette année, franchement. Là, je viens de faire les courses. On était dans les 100 euros. Je n'ai pas encore pris son gâteau. Son gâteau m'a coûté 50 euros. La dernière fois, quand j'ai acheté ses vêtements, on était dans les 90. Non, 100 euros. L'ensemble m'avait pris dans les 100 euros. Donc, voilà. Cette année, vraiment, on va serrer parce que avec le Cameroun, là, c'était un peu chaud. Mais je vais quand même essayer de lui faire plaisir. Par contre, là, il n'a pas encore sa tenue. Donc là, il faut que je lui trouve une tenue. Le thème, c'est blanc-rouge. Donc, on va partir pour ça. Parce que l'année dernière, je lui avais pris une BMW. Donc cette année, j'ai décidé de lui prendre ça. Wesh, t'es ma tête. Le cadeau de Bradley, il est tellement énorme, j'arrive pas à le porter. Et tout le monde m'appelle déjà, il est 15h. Bref, moi, les retards, je vous garantis que je suis fatiguée. Donc là, je le fais vraiment pour mon fils, en fait. Si ça aurait été pour quelqu'un d'autre, je n'aurais même pas levé le petit doigt, même si c'est pour moi. Mais je veux tellement qu'il ait son souvenir. Enfin, c'est vrai que là, il s'en fout, il voit rien. Mais bon.
Il aura des vidéos quand il sera grand. Je viens de déposer dans la voiture son cadeau et les affaires. Je n'ai pas pris de l'eau, donc là je vais chercher les petites bouteilles d'eau. Je voulais qu'on les personnalise, mais vu le temps, ça sera un peu chaud. Attends, on ne peut pas passer par ici. J'ai pas le droit de passer là, mais voilà quoi. Ça va toi? Donc, c'est parti pour les petites bouteilles. Ah oui, là, j'étais obligée de passer par là en fait, parce que c'est un endroit, c'est interdit de passer. Il me faut les petites bouteilles d'eau. Bon, ça y est, on commence avec, on commence à sortir des choses. J'ai pris des trucs comme ça. Les pots, quand tu vois, non, ça fait que c'est déjà fait. Oh, Céline, oui? Tu n'as même pas souhaité joyeux anniversaire à Bretley. Je suis même venue chez vous, vous n'étiez même pas là, j'ai attendu. C'est faux, on était là. Non, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu es habillée en blanc? Oui, le bébé. Il n'est pas encore là. Oh. Tu as sapé? Et pourquoi tu n'as pas, souhaité via mon téléphone? Hein? Hein? Quand je suis rentrée, je n'ai pas vu Anne-Marie. Hein? Mm. Je t'ai manqué? Nelsie, tu es où? Toi aussi, tu m'as manqué, mon bébé. Tu as grandi. On m'a dit que tu étais malade. T'es belle. Oui, j'aime bien ta chemise. J'ai un problème à la jambe. T'as... Comment ça? J'ai une déchirure. Anne-Marie, t'es une blonde, hein? Ah, mais oui, t'es une blonde. Nelsie, tu es où? Les décos sont... Ouh, la déco, elle est là-bas. Mais tu as... J'ai vu toutes tes vidéos. Ah, quand j'étais au village, oui. Tu as vu mamie Ariel? Oui. Ouais, ouais, il y avait les tombes. Ah, t'as tout vu alors? Même quand t'as offert les roses. Ah, tu as vu? J'ai vu. Hé, encore le thème. Et qui? On peut être dans le thème comme ça. Où est ton thème? Où est ton rouge? Où est ton blanc? Attends, où est ton. C'est ça ton rouge? Non, mon rouge, c'est ça. Et voilà. Il n'y a pas le rose, hein? Il faut appeler ta main, le blanc. Hein? Il faut aussi nous filmer, hein, parce que des fois, on voit la dépose en fait. On voit qui? On voit quoi? La fin de la dépouille. Lydie est très impliquée. On peut être impliqué comme muscle, ça. Muscle. Il faut fumer des gouattes parce que souvent on dit juste ça a été fait par tel, mais on voit pas la personne qui fera ça. Ok, Ivan, on voit ton travail, bravo. Merci. Non, il n'y a pas qu'Ivan, il n'y a pas qu'Ivan. Oui, aussi Audrey. Voilà, Audrey, ça fait combien d'années? On ne s'est même pas vu. Non, ça fait plus de 5 ans. 6 ans? La dernière fois qu'on s'était vu, c'est quand je me suis séparée de mon ex en 2015. Non, 15. Tu m'avais laissé à Paris. Non, on s'est vu. Hein? Non, on s'était vu. Non, c'était vu. J'avais vu Ivan, j'avais vu Anne-Marie. La vie, tu m'avais pas vu. Si, ah bon? Regarde, en tout cas, j'étais là. On était chez Yannick. Ici, ça va les fesses. Ah, tu commences. Qui aura ton ex ici aujourd'hui? Qui? Il a même essayé de revenir, maman. J'ai lui dit qu'écoute, je ne veux plus. Voilà. Les recales de ça. Donc, il y aura un petit barbecue. Ouh là 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 là, Yannick, tu as géré, hein? Ah ouais, le barbecue de ça, ça va péter. Et n'oubliez pas de venir aussi décorer ici dehors. Non, la décoration de dehors, c'est ça. Orange et son rouge. C'est pas mieux, on laisse. Orange, enfin, on va laisser. Mais mettons quand même ces trucs. Oui, il y a ça là. Ici, regarde. Hein? Là. Ok. Il y a ça là. On fait comment? Quoi ça? Ça là, oui, il faut que ça quitte. La table, c'est belle. Hein. C'est dommage parce que c'est saturé. Mais non, saturé. On peut enlever, non? Ah oui, on enlève ça, on met. Voilà. Oui, on peut mettre les boissons des vieux. Voilà, on met les boissons des vieux ici. Non, laisse d'abord. Tu veux brancher? Hein? Bon, merci. Enlève-moi les chaussures ici. Mets ça quelque part, soit en bas ou bien par terre, parce que là, faut que ça soit plus joli. Lisa, tu es dans... Où est ton blanc? Où est ton rouge? C'est blanc. Ça, c'est pas blanc, c'est pas rouge. Hein? Hey, Lisa, où est ton rouge? Blanc est là. C'est le plus important. Ça va? Salut, vous. Il faut aller faire la déco, ma puce. Bon, moi, je m'en vais chercher Bretley. Avec toi. Ok, les invités sont déjà là, donc moi je m'en vais. Hii, boîte là, les cadeaux. Maman, à ça la café, moi elle prête, hein? Tiens, tiens, tiens. Elle est chapelle, non? Il va
elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle la cousine de Jésus. Non, hey. Ah, non, 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 elle a quand même encore regardé un pas. Elle a qu'à faire. Non, c'est pas la cousine de Jésus, c'est la fille de Jésus. Ah, d'accord. Les invités de boîte, ils sont déjà là. Il y en a qui ont commencé à faire la séance photo. Voilà, ça rigole pas ici. En plus, ils sont dans le thème, c'est chaud. Mon petit, tu es plus chaud que mon fils. C'est pas normal, hein? Tu es trop chaud, bébé. Les invités sont déjà là. Tu as respecté le thème, bébé? C'est bien. Ceux qui n'ont pas respecté le thème... Je n'ai plus de charge. Ceux qui n'ont pas respecté le thème, vous rentrez chez vous. On va se changer. On va se changer. Et j'ai yeah! Anne-Manuela a respecté le thème. Quelle veste! H! Quelle veste! Anne-Manuela, tu es sapée. Ta veste, ça peut me suffire. Bon, il va déjà commencer. Non, je vais faire après. Mais moi, j'ai ma tenue. Sinon. Moi, je l'ai ma tenue, il n'y a pas de problème. Qui, Audrey, toujours dans le chocobi? Ça te loupe, hein? On a le même temps ici en France, mais façon un chocobi là, ma petite. Moi aussi, je vais m'y mettre. On a trouvé une grosse table qu'on va mettre là. Oui, ça, on va laisser ça pour la déco. Ah, yeah. J'ai déjà bloqué là où il y a les plateaux. Ah, les plateaux? Oh, mince. Oui, mais les plateaux là sont comment? C'est les plateaux pour mettre tout ça là. Toutes les présentations. Et so, les plateaux sont quand là? Quand ma cave? Et la cave est bloquée. Elle est bloquée. Donc, soit on arrête déjà ça, on repousse et je vais chercher les plateaux et après on continue. Ouais, bah faites-le alors. Comme ça, d'autant que je m'en vais chercher Patelin. Hein? Bon, j'arrive. À tout à l'heure. Non. C'est dans l'hôtel. Coucou! On a les plats. Attends, on a les plats, mais il n'y a même pas la nourriture. Parce que là, il n'y a que des trucs à griller. Vous voulez que je m'arrête pour prendre les plantains? Les plantains mûrs. Non? Oui, enfin, si tu veux, mais je vais faire un peu de barbecue. Tu voulais. Et Yaya, tu veux les pilons? Les pilons de poulet. Genre pour faire le braisé. Ouais. Ouais, hein? Oui. Regarde, regarde. C'est venu pour ça. C'est pas venu pour grignoter. Ok, bah, je m'arrête alors. Je vais prendre des pilons. À tout à l'heure. Bon. Il est temps d'aller chercher la star. La star Bratin. C'est parti. Et moi-même, je dois m'habiller, me maquiller. Mais je vais faire un truc léger. Hello, la fraîcheur de ça. Donc là, on est prêt. Hein? Ah, Alice, tu es prête ou pas? Ouais, je suis prête. Tu es dans le thème. Oui. C'est du blanc. Alors, c'est du blanc rouge. Mon rouge, c'est à la bouche. Bratley, tu es prêt? Bratley. Ah, vas-y. Quand il veut, il fait. Quand il veut pas, il fait pas. Bon, là, pour du retard, on est en retard. 17h30, son anniversaire, c'était à 15h. Bon. Au moins, on est préparé, on est lavé, habillé, parfumé. Bref, on sent bon, quoi. Donc, vaut mieux arriver en retard que d'arriver senti mauvais. C'est ça, mon excuse. Kiki, vous êtes dans le thème. Kiki. Oui, mon bébé. Oui, la grosse sucette. On y va? On va découvrir la déco. Waouh! Hein? Non, je continue à faire. Waouh! Ça sera chic! Alors, je devais prendre le gâteau à midi, mais finalement, je suis allée le prendre à 17h. Voilà. Mais quand je suis rentrée, j'ai trouvé que Anne-Marie, Anne-Manuela, Nelcy. Bref, toutes les petites là, Audrey, tout le monde avait fait la déco de la table. Franchement, j'ai trouvé j'ai aimé comment elles ont disposé les choses. Et puis, la femme de mon frère était là, Zachary, et mon frère, qui est, enfin, en tant qu'adulte, qui ordonnait également. Franchement, c'était sympa. Tout le monde a mis la main à la pâte. On était là. On a organisé ça assez peu de temps, hein, franchement. Parce que mercredi même, j'avais encore rien. C'est le jour j'y même. Enfin non, le jour de l'anniversaire que j'ai acheté la décoration et que je suis allée prendre toutes ces choses-là que vous voyez sur la table, les boissons.
Mon frère, lui, voilà, il a pris les saucisses pour nous parce que bah, j'avais même pas prévu la nourriture. Tata Néné, elle fait à manger, genre, elle a acheté, elle a fait du poulet. J'ai pas fait beaucoup de nourriture comme l'année dernière. Et puis, bah, voilà, les invités de Bradley, j'ai pas invité beaucoup de monde. À ce qu'il paraît, je te cours après, mais ça va pas t'étarrer, oh, mais comme. N'ayant pas trouvé de ceinture à sa taille, bah, j'ai pris des lacets, c'est ça que j'ai mis comme ceinture. Bon, ça se voit. Bref, il était habillé tout en blanc, il était tout beau, mon petit bébé. Il était content de voir tout le monde. Dans la famille Akon, on est très très nombreux ici à Rouen. On est près de 10 personnes, ouais, je pense un peu plus. Donc, j'ai pas invité beaucoup de monde en fait. Donc la fête c'était chez mon grand frère avec ma belle-sœur qui ont pris le soin, donc Zachary qui est là, voilà, ils ont pris le soin de recevoir des invités, de nous faire également un petit barbecue que je n'avais normalement pas mis au programme, mais eux ils ont rajouté ça et j'ai trouvé ça très très sympa. Là je suis venue chercher le gâteau d'anniversaire. Parce que j'ai recontacté la même personne qui avait fait mon gâteau d'anniversaire pour mes 30 piges. Donc là, je suis revenue pour la même personne. C'est la personne qui va faire le gâteau pour Bradley. Enfin, j'espère que son gâteau va être bien. Déjà, en plus, on s'est un peu embrouillé. Hein. Elle était impolie comme ça. Tu viens chercher ou quoi? Je lui ai dit que, hey, ma chérie, je ne suis pas ta camarade. Je suis... Donc, tu ne me parles pas comme ça. Je ne sais pas si c'est une fille ou c'est même un garçon. Je ne sais pas si... Mais en tout cas, elle était impolie. Excuse-moi. Oh, yeah. Non. Je ne m'attendais pas à cette chute. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui. Voilà, voilà. C'est un garçon. Impoli, c'est un garçon. C'est un garçon. Il est très impoli. Bon, c'est pas le carton le plus esthétique. Non, mais c'est déjà ça. Le gâteau, il est là! Attendez, je vous snap pas, hein, mais je montre. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Transaction, elle est faite. Merci, au revoir. Bon, merci à vous. Bon, c'est parti, on a le gâteau. Bon, il a fait juste le ballon. Hein. Sinon, j'ai payé, il m'a dit 70 euros, j'ai dit pardon, 50 euros. Donc, c'est ça qu'elle vient de donner là. Tout ce qui ne sent pas dans le thème, sort... voilà, Mélissa, elle a sauté le thème. Voilà, jusqu'au sac. Ma nana a respecté le thème. Voilà. Ceux qui n'ont pas respecté le thème là, dehors. Bonjour. Ça va? Bonjour. D'abord les yeux, j'ai fermé. J'ouvre. Mané ma carte, j'ai dit Seigneur, 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 Mané, tu es béni. Mané, je te bénis. Je te bénis. Oh Seigneur, oh Seigneur. Non, vous savez quoi? L'anniversaire pour moi a commencé et ça se termine ici. Tu es entouré, non? Non. Au camp, vous ne serez pas de son cavale là-bas, tu es trop d'accord. Tu es trop d'accord. Laisse-moi. On est chez toi. J'ai. Quel enfant j'ai? Soka, tu veux quoi? Non. Là-bas, là, il faut que ce soit cuit là-bas. Hein, Mané? Hein, mon? Tu as froid? Non, ça quand même tu m'as quoi? Non, t'as pas rien. Non, t'as pas rien. Non, t'as pas rien. Quand vous ne voulez pas, mange doucement, n'oublie pas, attends. Voilà,
Les doucement ne mange pas beaucoup. Quand tu as tout pris. Quand j'avais pitié d'Yvonne, j'ai dit non, je garde ici. J'ai gardé. Et puis, Babila, on a gardé. Ok, donc, on va dire. Gabriel, on va dire. What?
un an, enfin, à chaque fois que tu auras un an de plus, tu auras toujours un livre bracelet et tu dois me les lire. Donc cette année, c'est le livre de bracelet. C'est compliqué, hein. Non, parce que c'est vrai. Ebra, pardon. C'est pas Ebra. Donc, j'ai demandé à Anne-Marie d'aller chercher le gâteau et puis bah, de le ramener parce que voilà, c'est un peu comme la deuxième maman de Bradley ou la troisième. Bref, Bradley a tellement de mamans. Donc, comme vous pouvez le constater là, bah, le gâteau a pris feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, ces gens-là sont en train de filmer. Imaginez, c'était la maison qui avait pris feu. Vous êtes là en train de filmer. Bref, Dieu merci, on a réussi à éteindre le feu. Et puis, bah, on a continué à faire la fête. Et puis, bah, l'ami à mon frère, que vous voyez là, Soka, il était vraiment très gentil. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux Bradley a commencé à mettre l'ambiance, il dansait, on s'est dit ben, pourquoi pas, on va aller danser avec lui. Donc Tata, Néné et moi, on s'est levé, on a commencé à danser, il était vraiment à fond. Hein. Il ne s'est pas assis, ben, il dansait, il sautait, on aurait dit qu'il connaissait même la chanson, donc c'était évidemment le cas qui part. Donc Bradley, il partait, hein. il était dans son mouvement. On s'est vraiment bien amusé ce jour-là, on a dansé. Bah, les autres invités, donc les plus petits, vraiment les plus petits étaient déjà partis. Et comme dans ma famille, on est très très nombreux ici en France, donc une partie de ma famille déjà occupait la maison. Bah, voilà, Ivan et Tata Néné qui sont en train de faire les folles comme d'habitude. En plus, eux, quand ils dansent, on dirait qu'ils bagarrent. Bref, Bradley qui était toujours... très, très excité. Donc là, il allait vers sa mamie, il faisait le câlin, il revenait vers moi, il faisait le bisou, le câlin. Et en plus, il disait « Maman, mamie !» Enfin, bref. Donc, place à Cossé, voilà. Deux œufs spaghettis. On a décidé de faire la Corée
à fond parce que bah, on voulait vraiment bien s'amuser en fait. Donc on s'est dit, bon, les gars, on se place, que tout le monde dégage de la piste. Allez, Bradley, va faire un tour. C'est le moment des adultes. C'est Yvan qui était la chorégraphe. Bon, visiblement, la chorégraphe même avait beaucoup de difficultés avec son soutien-gorge qui n'était pas très, très en place. Mais on a quand même réussi. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, on dansait, on se lâchait, on s'est vraiment bien amusé. Alors, ce que j'aime bien avec Tata Néné, c'est qu'elle est toujours dans nos délires. Elle n'est pas dans les trucs, ouais, tante, enfant ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Elle est toujours avec nous et on s'éclate vraiment avec elle. Donc là, il y a ma belle-sœur, il y a Yvan, il y a Anne-Marie, Alice, Tata Néné. Et voilà. Bon, ce jour-là, malheureusement, ma mère, elle ne pouvait pas être là, mais elle était avec nous dans le cœur. Loin des yeux, près du cœur, comme on dit. Bref, la soirée, elle était vraiment très, très belle. Le gâteau, il est comment? Oh, il est dingue. Un petit message pour Bradley. Bradley, je ferai l'effort d'être un peu plus présente dans ta vie. I love you. Merci. Non, moi, je reviens. Un petit message pour Bradley. Bradley, je t'aime d'amour. T'es un excellent petit garçon plein d'énergie. J'espère que tu vas rester comme ça toute ta vie. Amen. Et tu lis tous les livres que ta mère va te donner à lire. Amen. Amen. Un petit message pour Bradley. Beaucoup d'argent, beaucoup de filles. Là, tu dis quoi, toi? Beaucoup de bénédictions dans ta vie. Exactement. Beaucoup de bénédictions. Amen. L'argent, bénédiction. Amen. Prospérité. Amen. Dans le direct. Salut, il a dit, il fait d'argent. Les invités de Bradley, vous allez dormir. Nelsie, je suis même pas venue dans ta chambre. Nelsie. Nelsie. La lumière, elle est brillante. Non, c'est parce qu'ils vont dormir ici, on a fait le lit. D'accord, ok. Lève-toi, lève-toi. Il y a une salle de bain? Oui. Rempli de coca. Ah ouais, t'as carrément une baignoire dans ta chambre. Ouais. Ah ouais. C'est la fin de ce vlog. Voilà, les invités de Bradley. La petite team là, ce sont des triplés. Donc, deux filles et un garçon. Et après, il y a fatigué. Il a arrêté pas de manger. En tout cas, merci. En tout cas, on peut qu'il y ait.